L'enquête se poursuit aux Pays-Bas pour déterminer les causes de l'accident de train qui s'est produit samedi soir en banlieue d'Amsterdam. Deux trains de passagers sont entrés en collision sur un pont situé entre deux gares de la ville. Dimanche, les deux locomotives ont été remorquées pour permettre aux enquêteurs d'examiner les rails. Comment les deux trains ont-ils pu se retrouver sur la même voie ? Pour l'heure, on ne sait toujours pas s'il s'agit d'une défaillance humaine ou technique. Depuis son balcon, une riveraine a pu entendre un long signal d'avertissement avant la collision. Nous étions assis à cette table, on regardait les trains. Celui-là venait de ce côté, celui-là de l'autre. Ils se sont juste rentrés dedans, raconte-t-elle, visiblement encore secouée. Heureusement, les deux trains roulaient à vitesse réduite, ce qui a limité la violence de l'impact. Certains passagers ont tout de même été projetés contre les fenêtres. L'accident a fait au total plus de 100 blessés, dont certains grièvement.